Bien, YouTube nos amis, c'est Nightmare Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une application sur smartphone. Alors, l'application s'appelle Britscast Pro. Alors, je vais mettre le lien, le lien d'iTunes dans la description, voilà, pour etc. Donc, à quoi sert cette application? À écouter sa musique où on veut, enfin, exporter ses fichiers sur son téléphone grâce au Wi-Fi. En gros, je vais vous montrer. Alors, l'application, elle est là, en bleu là. Donc je l'ouvre, voilà. On va tomber sur sur ça, voilà. Avec écrit un petit plus comme ça pour mettre plus de fichiers, voilà. On va cliquer sur les trois traits ici. Donc ça va nous ouvrir plein de catégories ici, voilà. Et en gros, vous allez choisir Wi-Fi. Alors Wi-Fi il est là avec un petit point là ici Wi-Fi, voilà. Vous cliquez et donc ça va amener sur une page comme ça, voilà. Donc là ils disent entrer l'URL dans la barre d'adresse de votre navigateur. Alors la barre d'adresse c'est celle-là, je vous montre, voilà. Donc je vais le faire à l'écran, tac. C'est un peu long. Moi j'ai une pub tout le temps. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'enlever, mais bon. Donc vous rentrez dans la barre de recherche. Voilà. Voilà, vous arrivez sur Pocket Briefcase, voilà, c'est le nom de l'application. Et là, vous n'avez rien. Donc vous avez ALF file, U.dot file. Un peu accroché le micro, voilà. U.dot file. Voilà, ça c'est pour revenir en arrière. Et créer un fichier et les dates, voilà. Donc maintenant si vous voulez écouter de la musique, alors vous êtes toujours sur cette page, vous êtes toujours sur cette page, voilà. Et maintenant vous allez faire update file. Et maintenant si vous voulez avoir une musique par exemple, voilà celle là, vous cliquez, vous faites ouvrir, voilà. Et là tac, je l'ai mis et comme par magie là vous voyez un petit fichier qui s'écrit avec la musique. Donc on reclique sur les trois barres, on va dans tous les fichiers et là le fichier a été téléchargé sur l'application. Donc si on appuie dessus, voilà, ça va lire la musique. Voilà, voilà, c'est de très bonne qualité, hein, je suis impressionné. Donc voilà, c'est tout facile. On va faire un autre, je sais pas, une photo, hein. On va faire image, on va mettre la croix, on va être ouvrir, update, voilà. Et là quand je vois dans tous les fichiers, quand je vais dans tous les fichiers, et là qu'est-ce que je vois? Ma photo que j'ai updaté, voilà, la croix, voilà, que je peux avoir partout. Et ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que je vais mettre en mode avion, voilà. Tac, bon, ils vont me dire que bien sûr je ne suis plus connecté. Vous mettez en mode avion, vous allez dans l'application, voilà, dans l'application, et quand vous lancez la musique, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez l'écouter hors ligne, voilà. Donc c'est vraiment génial comme application. J'ai trouvé grâce à une application qui s'appelle Albus, et chaque jour il y a un bon plan. En gros, elle était à, alors je vous dis ça tout de suite, Albus, c'est celle-là, hein. Ça si vous voulez la voir, Albus. Alors voilà, elle est normalement à, si tu veux, ah oui c'est vrai, je suis en mode avion, ce serait bien si, non, j'ai relancé, voilà. Alors normalement l'application est à 2,99€ et là elle est gratuite, voilà. Donc vous pouvez l'importer des fichiers, voilà, etc. Et vous pouvez même, même exporter des films que vous pouvez voir n'importe où, voilà. Ce qui est vraiment génial. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, ciao !